Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour qu'on décrypte un petit peu ensemble les tendances pour le printemps à venir. Il y a un petit peu également d'été, mais on va plus se concentrer sur le printemps, surtout qu'en ce moment il fait un temps très pluvieux. Donc ça va nous faire du bien de nous projeter un petit peu en parlant des tendances de printemps qui au final c'est dans un mois je crois, donc ça va venir vite. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je le mettrai juste ici. Je vous mettrai également quelques photos que je poste en ce moment sur mon compte Instagram, ça peut vous donner envie de venir suivre mon compte pour avoir des idées de look, les liens de mes vêtements, pour qu'on échange un petit peu ensemble en commentaire ou en DM. Je réponds à tous les DM et à tous les commentaires, et je vous donne un petit peu des inspirations selon les saisons, donc n'hésitez pas à venir me suivre, je vous mettrai juste ici. Alors comme vous le savez, je vous fais toujours des vidéos où je décrypte un petit peu les tendances, même si moi personnellement je ne les suis pas vraiment, même pas du tout. Par contre, s'il y en a une ou deux qui me plaisent, je n'hésite pas à les utiliser. Bien sûr, c'est la mode, on fait ce qu'on veut. Moi j'ai plutôt un style qui est plutôt intemporel et plutôt simple et chic, donc c'est un petit peu moins mon style d'ajouter des nouvelles pièces tendances. Je vous le dis de toute façon à chaque vidéo, vous le savez, mais pour autant j'aime bien faire le décryptage des tendances. Et bien sûr, vous n'avez peut-être pas le même style que moi, vous avez peut-être envie de connaître les tendances, donc c'est toujours un plaisir pour moi de faire des recherches, et il y en a pas mal. Et tout ça pour dire que cette fois-ci je trouve qu'il y a énormément de tendances à venir qui sont déjà dans mon style habituel de tous les jours. Quand je les regarde là de visu, j'ai l'impression que c'est que des choses dans mon style et que je pourrais porter, donc je suis super contente. C'est des choses simples, chic, mais qui pour autant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un style très élégant ou très chic pour le porter, c'est un petit peu ouvert à tout le monde, mais c'est un petit peu plus être chic sans effort comme on appelle ça, et du coup j'aime beaucoup. Donc sans plus tarder, on commence avec la première, les polos manches longues et les polos manches courtes. Je trouve ça super chic, super élégant, on en a vu sur plein de défilés. Ça fait vraiment chic, luxueux, ça fait aussi simple, classe, ça fait vraiment old money. Comme toujours, je mettrai des photos d'inspiration, parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont un petit peu de mal à se projeter avec un look plutôt chic, féminin, avec des polos, alors que c'est super super chic et élégant au contraire. Et elle peut être à relier avec la tendance numéro 2, qui est vraiment super sympa et hyper 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 tendance, et qui va complètement rentrer dans mon style pour le printemps et l'été. J'en ai déjà sélectionné je ne sais combien, j'attends un peu les acheter parce qu'il fait vraiment très mauvais. C'est le set jupe de tennis avec soit petit top, un top épaule dénudée, avec un polo manche courte, ou également avec un top haute costume. Je vous mettrai encore une fois plein d'inspiration. Il y a vraiment un côté un peu preppy, super féminin, super élégante, et vraiment effortless chic. J'aime beaucoup ce terme parce que pour moi c'est juste une petite jupe, un petit haut, et vous êtes chic sans aucun effort, il n'y a vraiment rien de plus à ajouter, et j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Le fait d'avoir des sets, c'est super tendance, et ce set notamment avec la petite jupe en mode tennis. Donc quand je dis tennis, c'est parce que c'est une jupe un petit peu effet plissé, comme vous verrez sur les photos là. Je vous ai mis plein de liens en barre d'infos. Il y a notamment ce set qui est très populaire en ce moment, que j'ai repéré, que je vais absolument me procurer pour le printemps. C'est un set mesh qui que j'aime vraiment beaucoup, très en vogue en ce moment, on l'a vu beaucoup dans des défilés avec notamment ce genre de jupe un petit peu également. Pas longue, parce que longue pour moi c'est vraiment à la cheville, donc un petit peu mi-discurte comme on appelle ça, donc mi-longue. C'est du chic, du simple, du minimaliste, avec des belles matières, des beaux produits et de jolies couleurs pour le printemps. Je vous mettrai plein de photos d'inspiration. Je trouve que c'est très inspirant et ça donne vraiment envie d'être au printemps, donc dites-moi ce que vous en pensez. On a énormément de drapés pour ce printemps et c'est vraiment une des choses que je préfère dans les saisons un petit peu plus chaudes. Des jolies coutures, des jolies formes, le drapé au niveau du top, ça peut être une robe, une jupe. Le drapé c'est vraiment super chic et élégant et c'est plutôt simple. Et nous avons également des choses un petit peu plus... des choses à motif, parce qu'il y a le grand retour, même si c'est quand même plutôt saisonnier. Au printemps ça revient plutôt souvent, notamment également en été, mais le motif pois, avec des jolis pois, donc pas des gros pois, des plus petits pois. On en a vu sur plein de défilés et je trouve ça vraiment particulièrement réussi. Il y avait une robe également, une robe noire avec des points blancs, une robe blanche avec des points noirs, enfin je trouve ça vraiment très joli également. Et nous avons également le retour des rayures, donc ça, en veux-tu en voilà, c'est vraiment, si vous ne savez pas trop comment vous habiller pour ce printemps, vous prenez un petit haut blanc à rayures noires. Je vous mettrai des photos d'inspiration. Je m'en étais pris un Arquette l'année dernière qui était vraiment super beau et je suis sûre qu'ils en ont sorti des nouveaux, je mettrai tout ça en barre d'infos. Vous le mettez avec un pantalon de costume blanc et vous avez un look super mignon et super cute pour le printemps. Vous ajoutez à ça une petite paire de boucles d'oreilles dorées comme ceci, vous avez un look super mignon. Pareil, je vous mettrai plein de photos d'inspiration. Nous avons également pas mal de robes à relief, à volume, avec de la dimension. C'est plutôt des robes courtes, un petit peu comme celle-ci que j'avais portée de Chaos of Sibi. Donc avec des coutures, avec des doublures, avec du relief au niveau des hanches, un col structuré avec des tissus, des reliefs, des petits... je n'ai plus le mot en tête, du relief, des volumes, etc. Par exemple comme une fausse rose, un col à fleurs dessinées, les motifs de fleurs, mais pas de fleurs imprimées, de fleurs en relief, en superposition sur votre robe. Donc vous voyez, ce genre de motifs, de volumes, de relief, c'est vraiment super tendance. Vous avez bien sûr le retour du nœud romantique, forcément quand
où il y a une douceur qui s'installe avec le printemps, le soleil qui s'installe, on a le retour d'une romantique avec des jolies robes à dos nus, des tops à dos nus, enfin c'est vraiment très élégant, j'aime beaucoup ce nœud romantique. On a vu énormément dans les défilés de robes blanches, donc cette tendance, autant vous dire que je l'aime énormément. Chaque été j'adore porter des robes blanches, c'est vraiment une des couleurs, surtout pour les robes que je préfère le printemps et l'été, j'adore m'habiller en blanc. J'en ai trouvé déjà alors qu'on est vraiment en début de printemps, parce que les collections sont déjà arrivées pour le printemps, j'en ai trouvé des magnifiques. Donc si vous voulez des inspirations de robes blanches, suivez-moi notamment sur Instagram et sur TikTok, je vous ferai des déballages aussi de mes robes. La robe blanche est sublimissime, j'aime beaucoup. Les jupes crayon mi-longue, donc midi-skirt et longue. Très chic, très tendance, je vous dis, mais cette vidéo, elle annonce que des belles nouvelles, que des jolies collections à venir pour le printemps, ça me fait vraiment trop plaisir. Pareil, je vous mettrai plein de looks. C'est super chic, super simple mais super facile à porter. Et notamment le combo de cette tendance avec la suivante de l'épaule dénudée. Donc les robes un petit peu bateau comme ceci où vous avez toutes les épaules de libre, où il n'y a même pas une petite bretelle ou dentelle etc. C'est juste la nuque, la clavicule et les épaules dénudées. C'est vraiment super élégant. Au niveau des couleurs, on a le bordeaux qui continue sa progression avec le rouge un petit peu cerise. On a tout ce qui est couleur pâle, le jaune pâle, le bleu pâle. Toutes les couleurs un petit peu douces, pâles, en transparence comme ça, c'est super tendance. Et le bleu layette également. Voilà ce que j'ai repéré au niveau des tendances. Je les aime toutes cette année. C'est complètement dans mon style habituel. Il n'y a rien que je ne pourrais ne pas porter à part peut-être les pois et encore. Donc ça va être un plaisir de pouvoir essayer de vous inspirer, de vous donner des idées de tenues pour ce printemps à venir. Pour l'instant il pleut chaque jour par chez moi donc je me projette un petit peu mais ça peut venir vite. La semaine dernière on a eu d'ailleurs un 19 degrés en Normandie donc autant vous dire que ça peut changer vite donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Venez me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur mon compte Thread si vous voulez voir un petit peu de mon actualité, des looks que je poste. Vous avez tous les liens en barre d'infos, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.